Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, il y a Kanigou dans le fond. Nick, je sais pas du tout où il est coulé. Nick ? Ok. On a perdu Nick. Eh ben écoute, Nick ta mère. Moisi. Ok. Bon, on va placer un marqueur là-bas. Et nous, on part par là. Ah, te voilà. Ah, viens. Oh, mais je vois que t'as trouvé une arme. Oh, nom de Dieu, puis pas n'importe laquelle, hein. Tout ce que vous voulez. Eh ben, mon salaud. Bah écoute, éclate-toi, hein. Oula. Ça, c'est le vertiptère écras. Ça va être vite fait. What the fuck? Et voilà. C'est quoi cette arme? Pistolet plasma. Bomber en effet. Tu es où? Là. Nick. Allez-y. Tiens. Bah non, c'est pas. C'est pas ça que je veux, Nick. Enfin, c'est. Un avis sur la situation. Le Commonwealth est pas l'endroit idéal. D'accord, relation. Je voulais savoir ce que vous pensez de notre relation. Disons que voyager avec vous, c'est toujours mieux que de croupir au fond d'un abri. Y a pas photo. Donc, ouais. On va dire que ça va. Ok, ouais, bon, ok, c'est pas grave. Kanigou ! Peu importe. Non, rien. Bon, d'accord. Je peux pas te commander de... Ah, bah voilà. Voilà ce que j'ai. Tiens, regarde. J'ai donné un truc. Gantbox. Minfrag. Ça. Et ça, pour la peine. Éclate-toi, l'ami. Sincèrement, éclate-toi. Éclate-toi. On a pris extrêmement cher. Quand même passer par là, c'est pas grave. Ça, c'est un vertiptère, ça. What? Non, ça devait être Nick Valentine. C'est pas grave. Ce qui m'embête le plus dans l'histoire, c'est qu'on en ait autant chié à le buter. Quel est cet endroit? J'imagine que c'est là pour plus tard. Foutez les boules, les gars. Hein. Putain. Un ventilateur, je prends le ventilateur. Ok. On y va. Mais tu te casses. Tu
Tu te casses. Aïe. Aïe. Tu te casses, te dis-je. Canigou, mange le crabe. Je crois qu'il en reste plus. Putain, ça tire ouais là-bas. Qu'est-ce que... Encore une victoire pour la confrérie. Oh, des copains. Des copains. Yo les gens. La forme. Excusez-moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais tous les synthétiques, les couches sauvages et les mutants. Et je les enverrais tous dans l'espace. Il y a un trésor perdu dans le coin. C'est ça qui les attire. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Nick, je suis désolé. Oh bonjour. What the fuck? What the... What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Carl Everett. Journal de Carl. Oh merde. Il a clamsé. Maintenant, je dirais qu'on n'est pas seul. Vous croyez qu'ils sont partis pour de bon? Je crois qu'ils ont compris et qu'ils se sont tirés. Je crois que malheureusement, il est possible qu'ils les aient compris un peu trop tard. Ah non, c'est une statue, putain. Faites gaffe. Est-ce que c'est glauque ici? Est-ce que c'est glauque ici? Je suis d'accord, ouais. Putain. C'est quoi ça? Tiens, tiens, regardez qui est là. Tu as crevé, oui. Oh putain. Plus personne maintenant. Qu'est-ce qu'on sait? Quelqu'un approche. Vite! Boum! Boum! C'est tout. Alors, c'est tout. Bon sang. Dans le tu. Elles sont nombreuses. Elles sont extrêmement nombreuses. Saloperie. Teste les ghouls. Ok, la seule arme qui se vaut. La ferme. Pas bien. Elle est trop cool l'utilité de cette.
Ok. Oula. Ça doit être une voiture, ça. Y'a de l'eau dans le coin ? La gueule ! Effectivement. Y'a de l'eau dans le coin. Tu m'étonnes que j'ai les boules. Plus beaucoup lui servir. Terminal du maire. Together. Fatality. Lunatix. D'accord. Voilà qui commence très très mal. Ok. Hop. 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 J'aurais préféré avoir une chance supplémentaire. Parce que là, je suis un peu dans la merde. Je reçois des mails aussi. Ça m'empêche pas d'être dans le caca. Alors. Et voilà. Bah j'ai eu coup de bol. Discours pour l'exposition des trésors. Trouver les trésors de la Mega. Pour les trésors de la Mega Plaine. Bien que petit documentaire reste une histoire plus des plus riches. Riche en culture, riche en souvenirs, et c'est sur. Laissez parole au Seigneur, un buffet sur la pelouse au sud. D'accord. État budgétaire. Dans la merde, on a 100 millions. Oh la balle, enfin je crois qu'on est dans la merde. Enfin bon. Coffre-fort. 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 Où est-il, mon coffre-fort ? Ici. Terminal déverrouillé expert. Parfait. Joli. Sous-sol d'hôtel de ville de Jamaica Plain. Ok, allons-y. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Je m'attends à de la... Des couleurs. Et des gens? Apparemment, il n'y a personne. Bébé? Bon sang, on y voit à peine là-dedans. Tu pouvais essayer de la fermer. Il y a trop de gens de nos jours qui ne voient que la violence comme solution à leurs problèmes. Il suffit de regarder autour de nous pour voir où. Alors, 31-717, le conseil a enfin un problème à l'intérieur du sol, d'accord. Lampe. Donc c'est la merde. Apparemment il y a un truc énorme qui ont voulu que la moitié des sous-sols. Ça peut être intéressant. Trois visiteurs pour les trésors.
Peut-être que j'ai un jour ça intéressera quelqu'un. Ah, donc c'est intéressant. Ça nous a amené. Quelque chose qui n'était pas intéressant en état de paix, mais qui est intéressant en état de guerre. Je veux savoir. Hello. Y a-t-il des touristes? Qui a gagné la guerre, à votre avis? Personne, j'imagine. Soit on y va. À votre avis, qu'est-ce qui a mis cet endroit dans cet état? Les bombes? Y a rien. Et Kenigou, qu'est-ce que t'es con? J'ai morflé. Le ménage est fait. Et alors toi, Kenigou? Tiens, bouffe. Et boucle là, mon dieu. Dites. Qu'est-ce qui peut être con ce chien des fois? Grande boîte à outils. Ah. Blanc. Voilà. C'est bon. Donc là, c'est l'entrée par la porte de gauche. Vous savez, ce que cet endroit perd en charme, il le gagne en... Attendez, je vais trouver. Ah bah, cherche alors. Si une bombe pétait ici, personne verrait la différence. Bah, c'est ça qui m'inquiète, justement. Clé des archives. Non mais t'as cru, toi. Hop. Il a cru que j'avais besoin d'une clé, non mais lol. Moi je veux juste faire la porte de maître, hein, de grand maître. Hein. Ah bla. Ça y est. Génial. Merci pour l'XP. Le coffre. Des fois je me pose des questions. Ça y est. Hop, tiens, des cartouches gamma et des missiles, c'est cool ça. Allons-y. Il y a deux protectrons de chaque côté. Les mecs, si vous m'attaquez. Non, non, d'abord je les mets de mon côté. Security, training, enabling. 000, d'accord. Ça met dans l'ambiance. Alors. Hop. Resident Hardware. Ouais, on l'a eu. Commande de protectron. Activer unité. Le Commonwealth peut vraiment. Attention, ce protectron a été réglé. Côtier, si vous voulez faire. Je l'ai vu transformer des hommes. Bah alors. Moi je veux qu'ils sortent, moi. Je veux que tu sois un secouriste. Ok. Donc celui-là, il voulait pas sortir. Est-ce que celui-là va vouloir? Enormous, comme ma bite. Courtesy. Physical. Ah bah, je l'ai eu. Activer unité. Allons-y. Camp. Bolt.
Proud. Alors, c'est pas ça, ni ça, ni ça. Est-ce que vous avez autre chose à nous proposer? Non, vous n'avez rien. Ah, mais là, il y a quelque chose, par contre. Hop. Là aussi. Aussi, là aussi, ah voilà. Hurled. Fast. Rare. Génial. Ah, c'est bon. Commande de la porte de sécurité. Ouvrez la porte. Et maintenant. Dites, vous pouvez faire le gain une minute ou je lance un diagnostic. Pouf. Non. Il y a quelque chose dans les parages. Putain de merde. À quoi ça sert que je les pirate? À quoi ça aura servi que je les pirate, mou du gland? Je lui ai tout mis dans la tête hein, quand même. Hein. Vous servez à rien les mecs. Hein. Putain. Attends au pire. Les pièces de robots ne fonctionnent généralement pas sur les synthétiques. Croyez-moi. Ceci est un homme. Non, vous avez donné dans les vous pouvez aller dans les vendre. D'accord, aussi. Ça vous branche les antiquités, hein? What the fuck? Ok, c'est parti. Table centrale. Ok, d'accord. Nanana, Robco, terminal avec le temps de bande. Globe, d'accord. Drapeau ancien, nanana. Drapeau américain. Cigare Homedals, d'accord. Vase ornementale. Exposition presse et littérature. D'accord. Oh, ça, ça peut être intéressant, par contre. Visiblement, les anciens habitants de Jamaica... Oh, elle est légendaire. Oh, ouais. Oh, c'est intéressant, ça. Mission très différente du mot trésor. Excuse-moi. Nick, viens là. Sans problème. Je l'appelle comme le chien. Voilà ce que j'ai. Oh putain. J'aimerais, s'il te plaît, que tu récupères ceci. Merci. D'ailleurs, tu sais quoi? Ah, je peux pas te demander de l'équiper, c'est dommage. Bah écoute, garde-le comme ça. Hein. Ça peut te faire plaisir, mon pote. Donc, c'était juste ça. Et la quête est finie, j'imagine. La quête est finie. Ok, génial.
Wouhou. On se barre. Commonwealth, ouvrir. Grosse déception, je l'avoue, grosse déception. Bon, bah c'est pas grave. Ouais, bon bah. Putain, bah. Vas-y, Canigou alors. Bah, vas-y, si tu veux pas me bloquer les. On m'a dit que mes enseignes agence de détective Valentine faisaient mal aux yeux. Bah, n'empêche que ramène la clientèle. Mais attaque, bon Dieu! Quelqu'un approche. Bonjour. Comment on s'en sort? Y a-t-il d'autres personnes qui auraient des problèmes? Putain, là-bas, y a des gens. Vu l'arbre, ils peuvent pas être gentils, les gens dedans. Ça sert à rien de se battre. Ça sera bientôt fini. Désolé. Sors de là. On pensait pouvoir se cacher. C'est quoi ça? Au travail. Oui, oui, non seulement je pensais pouvoir me cacher, mais en plus je sais que je pouvais y arriver. Ok. Bon. On va se rentrer, vous savez quand. Ah, c'est quoi ça? D'accord. On va se rentrer, donc on va supprimer ça. Hop. Non, bah non. Putain, je voulais supprimer le. Le bordel de repères. Bah alors. Tu charges ou tu charges pas? Telle est la question. Peut-être qu'en cliquant à côté, en fait, je peux... Voilà, retirer marqueur. On va rentrer à Sanctuary, on a quelques petites choses à bouffer, à... enfin, à améliorer en tout cas. Alors. Alors. On a quelques armes à améliorer, ça m'a demandé de rester un petit peu longtemps dans Sanctuary, ça faisait longtemps que j'étais pas resté dans Sanctuary. Donc je vais le faire aussi. Alors. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Ok. Alors. Ça c'est pas trop mal. Chut, ça fait boum, il est déjà au maximum. Lui aussi. Ok, ça on reverra plus tard. Ça, ça pourrait l'améliorer un petit peu aussi, mais bon. J'ai pas trop envie de... C'est
pas grave, on va attendre un petit peu. Vous savez quoi? Ce qui m'intriguait, moi. Je me sens pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. C'était. Voilà, c'était ça. Recon Sensor. Je veux savoir ce que ça va donner. Hop. Ça je donne. Hop hop, voilà, parfait. Tout ça je peux le garder. Bon. Oui. Hey. Hey. On voit vraiment la lie de l'humanité dans mon boulot. C'est dur de pas lâcher prise. La lie de l'humanité. Je crois qu'ils viennent vous insulter les mecs hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça mène où ça, le chemin à la liberté? Ok, bah c'est là qu'on va. C'est parti. Parce que c'est une vieille quête qu'on a depuis longtemps. J'aimerais savoir à quoi ça correspond. Alors, la règle de la balle. Ouais, enfin bon, ça, les objets uniques, les numéros de palissade, encore faut-il les trouver. Alors, on avait dit par là. Mais qu'est-ce que tu fous dans l'aume ou du gland? Votre compteur a pas l'air très joyeuse. Ouhou, on a pris un bon paquet de rades. Ok. De la lumière ici. Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide. Traders, welcome. On va attendre un petit peu. La vie d'un détective n'a rien de facile, mais elle manque pas d'intensité. On va passer par là, on va éviter le campement. Waouh. Ça a failli pourtant. C'est Canigou, qu'il est con ce chien des fois. Et c'est parti. What? Identique à lui-même. Personne pour lui donner un petit coup de pouce? Les concurrents enflamment la piste aujourd'hui. Hein? Oh merde. Belle nuit pour être aux courses, cache, hein? Putain. Ah, sympa la fiche. Très Sims, mais sympa. Je crois qu'on n'est pas seul. Je crois qu'il en reste plus. Ils sont là, quelque part. Dégagez, vous gênez la course. Mais la course de quoi? Mais t'arrêtes de bugger, Mouduglan. Je vais te balancer à la face avec des charentaises en béton. C'est comme ça que tu veux mourir? Quelqu'un nous prend pour cible. Non, dans ta tête. Attends, voir pour crever. Dans le ventre. Fais allumer eh, par ici. Plus pour longtemps. Il voit rien. Ok.
Y arrives-tu? J'ai morflé, ça suffira pas. Tu viserais la tête, tu gagnerais du temps, Nick. Je me tue à te le répéter. On n'est pas obligé de faire ça. Pas nous emmerder. Hop. T'aurais mieux fait de filer. T'es où? Putain, c'est un... Il a un nom. Oh merde. Ça chatouille. Je vais te démonter la gueule en beauté. Ça, c'était vraiment couillon. Clé, dernier le pressé. Mot de passe, dernier le pressé, hop. Je crois que j'ai libéré des robots. Terminal. Mot de passe requis, pourquoi pas. Commande des robots. Arrêtez la course, changer les paramètres de visée. Changer les paramètres de visée. D'accord. Désactiver les inhibiteurs de combat. Activer les robots de réserve. Changer l'itinéraire de la course. Patrouille de défense du camp. Je pense que là... Quelqu'un a besoin de se faire poter le cul. Hey. Contact. Je crois que j'ai des copains. Ce que c'est pénible. Content que ce soit terminé. Oh, parfait. Vous êtes là. C'est reparti pour un tir. C'est limite s'ils foutent pas les boules. M'attaque pas, m'attaque pas, m'attaque pas. De l'autre côté les mecs hein. N'oubliez pas. Donnez un sale caractère à une boule de bowling et vous avez un iBot. Moi je suis content, j'ai des copains. C'est fini pour toi. Oh, il est stylé celui-là. Il me plaît. Ils me plaisent tous, à vrai dire. Surtout celui qui a l'œil rouge en fait. Je vais rendre service à tout le monde. Sur quoi tu tires? Tant qu'on s'en sort. Monsieur. Lady Monsieur. Lovelace. Bien le bonjour. Oh, vous êtes pas plus bavard que ça. Bonjour, bonjour. Monsieur. Écoute, je te prends ça. Ah, oh, c'est dommage. Monsieur. Vous me plaisez tant, vous tous. Je vous adore. Je vous adore, les gars. Ah, j'aime bien les robots de ce jeu, c'est marrant. Vous avez de drôles de goût, vous. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Mais il me plaise. Bon. On n'y est pas encore. Alors c'est là-bas, j'imagine. Oh putain. C'est un gamin? Il y a une vie? Wouhou! Oula! Le trou dans le pont. Salut les gens! Yo! Vous foutez un petit peu les boules quand même, hein? Je vais être honnête avec vous.
Yo. Salut. Quand je serai adulte, j'aurai ma ferme à moi et je ferai faire tout le travail par les autres. Par ici, il faut prendre les choses les unes que... après les autres. Bonjour. Pardon. On aurait bien besoin de votre aide. Les miliciens m'envoient. Je fais partie des miliciens. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des sales bêtes qui traînent juste à côté d'ici. Je sens qu'elles ne vont pas tarder à nous causer des problèmes. Ce qui est dommage, c'est que l'endroit serait parfait pour une nouvelle colonie. Je connais même des gens qui aimeraient s'y installer. Si vous pouvez faire en sorte que le vieil atelier soit toujours utilisable, les nouveaux occupants pourront s'en servir pour leurs travaux. J'ai déjà fait le ménage là-bas. C'est vrai? Ah, cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au fait, on a décidé de soutenir les miliciens. Il faut qu'on se serre les coudes si on veut que la vie s'arrange. Ah bah tant mieux. T'es sympa. Ouais, une petite communauté assez sympathique en fait. Je dois l'avouer que là, en bord de plage, peut-être que je me construirai une maison ici. Peut-être. Tout peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh ben on y va. Canigou! J'ai vu des éclairs, non? Non, c'est dans ma tête. Dites, vous pouvez faire le gain une minute. Faut que je lance un diagnostic. Pouf, merci. J'ai raté quelque chose. Hors de portée. C'est sympa par là. Il y a même de quoi mettre une tourelle. Alors... Yo! On va prendre cette arme là. Oh! Cet endroit est plus dépouillé que X01. Le passage des vautours. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour empêcher les gens de venir ici. Attendez. X01, c'est quoi X01? Elle est hyper stylée cette armure! Pourquoi je l'ai pas en entier? Du coup, j'ai pas d'éclairage. On réussira bien à faire quelque chose du Commonwealth. Aïe. Là, ça pue. On m'a dit que mes enseignes, agence de détective Valentine, hop, faisaient mal aux yeux. Bah, n'empêche que rameute la clientèle. Putain, j'ai pas eu le temps de voir, donc qu'est-ce que c'était? J'ai vu une espèce d'ombre se déplacer, mais j'ai pas eu le temps de voir le reste. Ah putain. C'est bon, j'ai vu ce que c'était. Fais chier. Vous n'avez rien vu. Rien vu. C'est un commissariat qui plus est. Ça m'étonne qu'on n'ait pas vu de chien encore. Putain, il y en a un pas loin. Hein. Oh putain. Espèce d'aveugle.
Surtout que je suis pas vraiment en position d'être planqué, quoi. Je suis dans une grosse armure assistée. Non, 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 là ça va pas, là, les gars, là. Vous y voyez rien. Fort, strong, fort, fort. Eh ben écoutez, on y va. Hop. Alors, alors. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à récupérer la caution. Y'a quelqu'un ? Non, y'a personne. Quoi ? Qui est là ? Y'a personne. Hein ? C'est quoi ça ? C'était sûrement rien. Un bruit ? C'est quoi ce bruit ? J'entends. Putain, légendaire. Je tiens ! Lâche-moi ! Tu veux vraiment que ce soit la dernière gueule que tu vois? Alors, qu'est-ce que t'avais sur toi? Oh, et c'est de la merde. Vous pouvez pas porter. Des menottes, génial, trop sexe. De l'armure qui est complètement amochée. Attends, fini de rire. Ok. Le Commonwealth peut vraiment vous secouer le cocotier si vous laissez faire. Ok. J'ai vu transformer des hommes en monstres. Lance missile anti-goule. Ouais. C'est pas rien, hein, 50% de dégâts en plus. Hein. Le problème, c'est que je suis persuadé que maintenant que dès que je vais. Ah, porte déverrouillée novice. Dès que je vais lâcher l'armure, j'ai plus pouvoir rien porter. Faut que je rentre avec l'armure encore à Sanctuary, ça va nous faire encore un. D'accord, c'est la sortie. Par contre, oh non, Nick, te la fais pas la canigou, merde, casse-toi. Ah, par contre, j'ai pas de pétoche. C'est vraiment saoulant. C'est pas la poussière qui manque ici. Porte déverrouillée novice. J'y ai presque cru. Ça y est. Oh. On dirait que personne n'est passé par ici depuis longtemps. Un mini-nuque. Taménal, général Brock. Oh. Donc il y a une île qui nous intéresse derrière. Hein ? Oh ! C'est eux qui ont testé les nouvelles armes avant que le Fat Man ait les armures.
Donc apparemment, on aurait quelque chose sous nos pieds. On aurait quelque chose sous nos pieds qui serait assez sympa. Ah. Ah, elle fait de la résistance. Parfait. Génial. Apparemment, il y aurait un sous-sol. Dans sous-sol, il y aurait des mails. Non, je rigole. Dans sous-sol, il y aurait encore autre chose. Ah si, on cherche quelque chose dans ce merdier, comme tu dis si bien. On cherche une entrée dans un sous-sol. Très précisément. Balle de baseball. Voilà ce que ça donne, 2 siècles sans personne pour faire la poussière. Putain! Il est de l'autre côté. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu, chers amis? Je vais vous faire un petit zoom. Wouhou! Le paradis n'est pas si loin. Donc il est au-dessus de notre tête là actuellement. Hop et hop. Voilà. Gah. Ah. Oh. Alors. Surtout aussi, chers amis, si vous trouvez que le petit symbole au-dessus de la tête des ennemis quand je les vise pour bien les différencier du reste est de trop, n'hésitez pas à le dire, hein, bien sûr. Hein. Votre avis compte, encore une fois, n'hésitez pas, votre avis compte. Comment je suis censé pouvoir me rendre dans l'autre pièce ? Comment je suis censé pouvoir m'y rendre? Ou alors c'est par l'extérieur, il y a une entrée à l'extérieur que je n'ai pas vue. Il paraît que l'armée a déchargé la première cargaison de M42 ce matin.
J'avais juste vu ces petits bijoux sur le papier. Alors le deuxième classe Bertram et moi, on est descendu en douce pour jeter un œil. Quand j'ai appris que les scientifiques travaillaient sur un lanceur d'armes atomiques portables, j'ai cru qu'ils étaient dingues. Mais apparemment, leur truc marche. Et maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, je me dis que ça peut suffire pour faire pencher la balance de l'autre côté. Vous imaginez la gueule des ennemis quand on nous larguera sur Anchorage avec ses joujoux dans les mains? Ils ne comprendront même pas ce qu'ils ont arrivé. Putain. Faut absolument que je trouve par où faut rentrer. Regardez dehors, c'est pas grave. Hop. Alors. Bouge. Sauf si vous avez envie de virer au vert. Génial le temps, dis donc. Sauf si vous avez envie de virer au vert, il est con lui. Alors... Eh ben putain. On dirait que ce coin a pas mal dégusté. Bon. Alors il y a un truc que je comprends pas. Potentiellement. Si une bombe pétait ici, personne ne verrait la différence. J'ai envie d'essayer un truc. On va essayer un truc, chers amis, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. TCL. Hop. Hop. Voilà. Donc plus de collision. Il y a une porte à gauche, une porte à droite. Haha. Je crois que c'est à cause de... du TCL. Donc vous voyez, là ça mène à rien. Et ici ça mène à rien non plus. Alors comment suis-je censé y aller? Je pense pas être si mauvais que ça. Oui, Kanigou, j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas moyen d'y aller, on est d'accord. Donc, il vous montre des choses et il n'y a pas moyen d'y aller sauf en trichant. C'est génial. Qui a gagné la guerre, à votre avis? Personne, j'imagine. Ok. Hop. Véritablement intriguant. Ça va en faire des tâches. Bon. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser sur cette révélation fracassante. Merci de l'avoir regardé cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pyrou, d'en faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vais rentrer à Sanctuary. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À demain pour un nouvel épisode de Fallout 4. Salut les gens. Et yop.